durant le consigne de glace et la composante de l'Ina tribunal, blé en doigté marzo. Le dossier, l'instruction, le jour d'audience. Il n'y avait pas de preuve tangible que le dossier pour qu'il le condamne à cette peine. C'est là que on ne peut pas juger la peine née en Arad Raïna, le canon de Chaudhéhar et Arad Shara. On a fait appel. Bien sûr qu'on a protesté la peine née en Arad Shara. Mais la prestation, le pouvoir discrétionnel reste. Et le juge, c'est lui qui est le seul. Nous connaissons un talaïd, mais je suis un talaïd qui est le voyons, les moyens de la défense de l'année et de fin. Dès la première fois, on a demandé beaucoup de personnes à l'aide de Rohan l'instruction de l'Ahmad. Non seulement des témoins, ainsi que les gens qui ont été contactés, qui ont été contactés, il n'a rien fait, il a fait le travail d'investigation à un journaliste. Parce que c'est le mérite, il n'y a pas de différence, une grande différence. Donc le journalisme télévisionnel, les journaux, c'est qu'il y a une structure. Il y a l'enchiffre, mais Marzouk, c'est un journaliste libre, c'est un blogueur, il a cherché à avoir l'information. C'est un jeune qui a de l'ambition. Un jour, c'est un journaliste. Bien sûr que donc, c'est pour lui, c'est pas dans l'intention de nuire. C'est aussi lui qui va nuire. Mais le plus important, c'est que l'élément moral, pour lui, c'est quelque chose de très normal. Il a exercé un droit constitutionnel. C'est pas la liberté d'expression et d'investigation, etc. Et pour renforcer Einstein, que l'Algérie, bien sûr, a la.